صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. اليوم الساعه 6:30 بيفتتح معرض الكتاب الفرنكوفوني بالبيال على 6:30، ومن بكره ل 27 الثاني بوابه مفتوحه لكل اللي بيحبوا يقروا باللغه الفرنسيه. ومثل ما وعدتكم انه رح يكون عندنا اللقاء بكتاب لاكثر من 30 كاتب وكاتبه وشاعر وشاعره اجانب من شهرة عالمية. واليوم منبلش بهالسلسلة المقابلات مع ضيفين بيشرفني حضورا معنا بكتاب. فيليب فورجي، بونجور، بيانفوني. Vous êtes chef d'orchestre, compositeur et poète. On essaye. Non, mais déjà vous êtes à votre seconde œuvre. Vous êtes bienvenu au Liban et sur notre plateau. Merci. Et au Daif Tene, Libnéni, à qui des docteurs Roland tombe, Ahla ou Sahla Fik. Ahla Fik. بشرفنا كمان حضورك معنا، ونحن من نعرفك انه حضرتك بروفيسور بطب الجلد، ولكن كمان حضرتك معك دكتوراه بالفلسفه ومؤرخ، واليوم موجود معنا لانك شاركت بكتاب مع كتاب فرنسيين ورح كمان توقعوا بدي سيتيام سالون دو لي فرانكوفون. رح ابدا مع الموسيقار والشاعر الفرنسي فيليب فورجي. Je voudrais juste très rapidement vous introduire au public libanais. Donc, حضرته من مواليد فرنسا 1970، وهو موسيقار وأكيد وعازف، وكمان شهرته عالمية. لديه كمان عنده ديوانين شعر، أومبغ مارين اللي أصدروا عن دار نشر درغام سنة 2008، وكتابه اللي رح نحكي عنه اليوم الديوان الثاني كالكوز أبغ en sève, en mots et en images, Kamen Andar Derham. Je voulais vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous ramène au Liban? Et pourquoi vous avez édité vos deux œuvres poétiques chez Derham, une maison d'édition libanaise? Ah bah alors ça, c'est toute mon histoire avec le Liban, justement. moi, je suis venu la première fois au Liban en 1992. Et c'était au départ pas du tout pour la musique et encore moins pour la littérature. C'était pour être présent avec les enfants et les sœurs de charité de Besançon. Voilà, il fallait passer du temps avec les enfants l'été, et ça m'a permis de découvrir et le Liban et les gens qui habitaient le Liban. Et au fil des années, il y a eu des opportunités de faire de la musique justement ici, donc ça c'était aussi un grand plaisir que de partager cet aspect de mon activité avec les gens que j'aimais beaucoup ici. Et puis les mots sont arrivés aussi dans mon parcours professionnel, et quelque chose de très naturel pour moi en tous les cas, à ce qu'une maison d'édition qui s'intéresserait à ce que je puisse écrire se trouvait non pas en France mais ici au Liban, parce que vous aviez été inspiré par le Liban, c'est ça? Mais la plupart des textes que j'ai écrits, en fait quasiment sur une dizaine d'années, se sont faits lors de séjours réguliers ici au Liban. سألته أنه ليه حضرته فرنسي، شو اللي جابه على لبنان، وليه أصدر كتبه بدار نشر لبناني. قال أنه من سنة 1992 إجا على لبنان مع رهبات بوزانسون، لكن لازم يقضي شوية وقت مع الأولاد، وهون كتير استوحى من لبنان، إن كان بالموسيقى أو بالأكيد الأشعار اللي عملها، ومن هيك فكر أكيد بدار نشر لبناني، لأنه كل قصائده بتحكي يعني أغلبيتها عن لبنان، وبقى من هيك نقى دار نشر درغام. Vous êtes là aujourd'hui dans le cadre du 17e salon francophone et vous signez. Je voudrais juste savoir quand est-ce que vous signez votre œuvre poétique. Je crois que c'est en début de semaine prochaine. J'ai pas la date exactement en tête, mais je crois que c'est en début de semaine prochaine. Sur le stand Derham. Voilà, tout à fait. Mais il y a pas mal de rencontres qui sont organisées avec les enfants, justement, avec les scolaires, et ça me fait très très plaisir. Ce petit recueil de poèmes là qui sort, en fait, chaque arbre a comme destinataire un enfant. Ah, d'accord, c'est ce que je voulais vous demander. Votre œuvre poétique parle de presque 9 arbres. Oui. Et je crois qu'ils sont tous au Liban, la plupart. Oh, quasiment, oui. Quasiment. Et je vois que aussi chaque poème, donc chaque arbre, est donc dédicacé à un nom, un personnage. Donc vous venez de me dire que c'est un enfant. Voilà. Pourquoi? D'abord parce que j'aime beaucoup les enfants, et puis en tant que musicien, j'ai beaucoup à travailler avec eux, donc ça c'est toujours un plaisir. Et puis je trouvais que c'était bien, un arbre ça grandit, un arbre c'est tout petit au début, puis après ça va croître et puis ça grandit, donc c'est porteur d'avenir. C'est comme un enfant. C'est comme un enfant, alors je trouvais tout à fait
fait sympathique l'idée d'associer chaque petit poème sur l'arbre et le dessin qui l'accompagne à un enfant que je connais. كتاب وديوان الشعر بيحكي عن في تسع أشعار وكل قصيدة بتحكي عن أكيد شجرة موجودة بلبنان وكل قصيدة كمان بيهديها لولد هو عم بيقول لأن أنا كان في أسامي بس ما كنت عارفة إنه هودي أولاد لأنه هو بيعتبر إنه الشجرة مثل الولد يعني بتخلق وبتكبر وبتعيش مثل الولد كمان. Donc vous êtes chef d'orchestre, vous êtes compositeur et poète. Quelle relation entretenez-vous avec la musique et quelle autre relation entretenez-vous avec les mots? J'aime passionnément la musique vocale. J'ai la chance de diriger beaucoup d'opéras. Voilà, j'interviens au Brésil tous les ans, là j'y étais encore le mois dernier, donc c'était aussi pour faire un opéra. Et c'est vrai que la musique, c'est un langage universel très fort, mais en plus, quand on a le chant, on a le plaisir et la sensualité des mots. Et les mots, c'est quelque chose qui, dans ma vie, compte beaucoup, parce que les mots, ils sont porteurs de sens, les mots, ils ont leur musicalité propre, leur fluidité propre, et de pouvoir construire le lien entre la musique et les mots, quel que soit le continent où je me trouve, quelle que soit la culture où je me trouve, c'est un aspect absolument essentiel dans ma vie. D'accord. Et c'est pour cela que peut-être que quand vous composez un poème, le rythme est très important dans les vers. Je pense. La musicalité, en tous les cas, c'est quelque chose qui fait partie de moi en tant que compositeur aussi. Donc il y a une sonorité des choses, il y a une sonorité des mots, et c'est assez fondamental, effectivement. سألته لأنه حضرته موسيقار وأكيد كتير بيحضر يعني بدار أوبرا موجود وبيعمل كتير كمان أكيد كل شيء موسيقى ومعروف أصلا عالميا أكثر كموسيقار من كشاعر. سألته إنه شو العلاقة بين وقت يكون عم بيخلق شيء هيك موسيقى أو وقت يكون عم بيكتب شعر كيف شو العلاقة؟ قال لي ما بيقدر يعني هو الموسيقى بدمه وحتى وقت يكون وله كثير مهم كمان الموسيقى اللي فيها كلمات يعني الأغاني بالأوبرا وقتها بيكون عم بيفكر يكتب موسيقى بيكون عم بيفكر بالكلمات وقتها يكتب أشعار كمان الموسيقى موجودة ومن هيك كمان الإيقاع كثير مهم ب كمان شعره. Est-ce que quand vous créez votre musique, vous pensez aussi automatiquement aux mots qui vont les accompagner et aussi quand vous créez votre poésie, est-ce que vous pensez à la symphonie qui pourrait accompagner les mots? Alors, ça, c'est une question qui est intéressante. Quand j'écris de la musique, je pense pas. Enfin, je pense musique. Et quand on écrit des textes, des poèmes en l'occurrence, on pense poésie. Je pense jamais à créer de la musique en me disant quels mots je pourrais mettre dessus. C'est toujours les mots qui arrivent en premier. Parce que si on veut utiliser les mots, on va alors s'adresser à quelque chose qui porte du sens. Et ça, c'est fondamental avant toute autre chose. Donc, d'abord les mots. Et puis après la musique. Mais par contre, c'est vrai que quand j'écris des pièces purement instrumentales, il y a beaucoup d'images et beaucoup d'évocations qui passent par les mots qui arrivent très très vite. D'accord. سألت انه لما يكون عم بيكتب اشعار بيفكر بالموسيقى اللي ممكن تتماشى مع الكلمات والعكس كمان اذا وقت يكون عم بابداعه للموسيقى اذا بيكون عم بيفكر بالكلمات اللي ممكن تتماشى مع الموسيقى يعني لا وقت يكون عم بيكتب اشعار بيفكر بمعنى الكلمات الكلمات اللي رح عم بيوديها ولما بيكتب الموسيقى بس بيكون اكيد عم بيفكر باللحن ولكن اكيد بيكون في صور براسه بده يوديها كمان. Vous décidez, bon, là, vous me dites que vous essayez d'être un poète. Pourquoi vous croyez être juste maintenant, aujourd'hui, un compositeur
qui essaye d'être un poète. Est-ce que c'est plus facile d'être compositeur de musique que compositeur, de, si on peut dire, de poésie, de mots à... Mais ça, c'est un complexe que j'ai parce que j'ai une formation de musicien. J'ai fait le conservatoire, j'ai tout un parcours de musicien, donc je me sens éduqué par la musique. Mmh. Et les mots, c'est quelque chose de nouveau. C'est nouveau et c'est un amour. Voilà. Je ne vais pas dire une passion, parce qu'une passion, ça se brûle très rapidement, ouais. Et après, il n'y a plus grand-chose. Ouais. Donc c'est un amour.